Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire des amuse-bouches hyper faciles avec quasiment rien. Une pâte feuilletée, du fromage. Une râpe, ou alors si vous avez déjà du fromage râpé, on va simplement en râper sur toute la pâte. On préchauffe notre four à 200 degrés. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, je vais venir rouler sur lui-même, sur elle-même, pardon, la pâte. C'est toujours très très simple, hein, les feuilletés. Voilà. Je vais ensuite, comme d'habitude, couper des tronçons. Je viens les poser à plat . Alors vous pouvez les faire plus ou moins épais, hein. Là je les coupe 1 cm, 1,5 cm à peu près. Voilà, je vais poser ça dans ma plaque et il n'y a rien d'autre à faire. Il y a 2 ingrédients, de la pâte feuilletée, du fromage râpé. Et c'est tout. Voilà, on met tout ça dans une plaque. Et on va aller passer ça au four, je pense, un petit quart d'heure. Il faut contrôler, hein. Quand vous voyez qu'ils sont bien cuits, vous les retirez, mais je pense un bon quart d'heure à 200 degrés. Voilà, rien d'autre. C'est parti pour la cuisson. Voilà, le four vient de sonner. En fin de compte, ils ont cuit 20 minutes. Hein. Alors voilà, les petits feuilletés. Et il ne reste plus qu'à les disposer sur un plateau de service. Et voilà les petits feuilletés au fromage. Bon appétit!